abîmé. Et pour ça, la Bible dit nous que le mystère qui était caché, il a révélé qu'il y a. Ce n'est pas moyen de l'esprit ça. Qui c'est le Saint-Esprit qui parle autre que Jésus-Christ même. Cela veut dire tout ça, il y a un monde qui connaît des royaumes. Il y a accès pour être capable de connaître parce que nous sommes dans l'étape de la révélation. Et bien, bon Dieu permet que la révélation soit capable de joindre tout les lieux. Il dit mystère ça qui était caché depuis des siècles. Que en pilote serviteur t'en vie connaît, yo pas connaît, mais nous même les élis, li ban nous opportunité pour nous connaître mystère. Et dit mystère pas l'autre sinon que Jésus-Christ même. Eh bien, li te dit m'a monté mal préparé en place. M'a monté la quoi? M'a préparé en place. Parce que faut sang te couler pour place là te ca préparer. Après sang fin couler parce que c'est pas moyen de sang même tout pécheur d'une manière spirituelle, à savoir, les prédestinés, yo va venir plonger dans ce sens-là, yo va laver, yo va purifier. Amen. Et mais c'est comme ça, yo va recevoir le Saint-Esprit qui est le don de Dieu. Et mais comme ça, yo va sceller pour les jours éternels de notre Seigneur Jésus-Christ. Et mais elle te dit, m'a parlé, m'a préparé en place pour nous. Oui, il est monté la croix, il est en préparé place là. Il dit, les ma fin préparé place là, m'a retourné, m'a vin chercher nous. Comme ça, côté maïa, c'est là, nous va y être. Cela veut dire, l'église a vu qu'on est d'une manière spirituelle là, nous dans la présence de Dieu. D'une manière spirituelle, côté Jésus-Christ. La Bible explique nous clair que Jésus-Christ lui-même, que demain qu'elle t'a bâti pour nous, pour te capable de par l'autre que nous. Cela veut dire en émotion d'une manière spirituelle, si nous demandons de côté Jésus-Christ, il parle de l'autre côté qui n'a que nous. Là, nous mettons nous à genoux, nous la prière, nous pas la prière l'autre bon Dieu, mais nous la prière bon Dieu qui est en dedans que nous. Amen. C'est en dedans que nous, ça c'est Kaili, ça c'est Demeli. Parce qu'elle n'a pas un trône visible, il n'a pas une chaise qui a gagné, mais son esprit. Mais vu que nous pur, vu que nous saints, vu qu'elle est sanctifiée nous, eh bien, les vénérités n'ont que nous. Et maintenant, même Jean 17, là, il dit ça. Il dit dans Jean 17, le verset 19, il dit, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et bien, vu que nous maintenant les sanctifier, et bien, Dieu lui-même les demeure dans que nous. Cela veut dire, l'un n'a pas la prière, n'a pas la prière, bon Dieu, qui n'a que nous. Amen. Il dit, là où je suis, vous y soyez aussi, eh bien, d'une manière spirituelle, côté Jésus-Christ, c'est là que nous-mêmes, l'Église, là, nous y est tout. Amen. Eh bien, dans Jean 17, le verset 20, on allait. Le verset 24. On lit seulement le verset 24. Non, on lit seulement le verset 24. Jean 17, le verset 24. Papa, c'est où qui ban moi yo? Moi t'avle pour yo toujours avec côté m'rale ya. Pour yo kawe pour voir moi. Pour voir où te ban moi ya. Parce que ou te même depuis longtemps avant ou te créé tout bagay. Amen. Il dit Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Il dit Papa, cela veut dire Jésus-Christ Fils, qui a la prière avec l'Esprit. Mais l'Esprit, ça. C'était lui-même, c'est Dieu. Mais vu que lui-même est venu dans un corps limité, selon Jean chapitre 1er, le verset 1er, selon Jean chapitre 1er aussi, le verset 14, il dit la parole a été faite chair. Ce n'est pas l'autre monde qui est devenu chair. Ce n'est pas un fils que papa lui-même était fait, lui-même était dans le ciel à la diriger, il voulait le fils. Jean que les gens disent, il dit la deuxième personne de la Trinité. Mais c'est ça même qui a confondu, qui permet de ne pas capable de comprendre la révélation de Dieu. Depuis qu'on considère Jésus-Christ comme deuxième personne de la Trinité, ou bien comme deuxième personne, cela veut dire lui pas Dieu.
Et en un mot, Dieu dit pas qu'il y a l'autre puissance qui existait hors de moi. Il dit c'est A à Z, c'est premier, c'est dernier, c'est alpha, c'est oméga. C'est commencement, c'est la fin. Apocalypse 1er, verset 8. Et pas vrai? Il dit c'est premier, c'est dernier. Cela veut dire avant, c'est moi-même. Après, c'est moi-même. Derrière, c'est moi. Devant, c'est moi. À gauche, c'est moi. À droite, c'est moi. Tout côté au passé, c'est bon Dieu. Dieu pas une deuxième personne. Et l'autre jour, dans un enseignement nous avons fait, nous avons expliqué ça clair. Nous avons dit, pour qui ça Dieu lui-même n'a pas une deuxième personne dans lui-même. Parce que, en un mot, nous avons dit que, non, mon Dieu pas capable d'exister deux personnes. Nous avons dit, s'il doit exister deux personnes, s'il a existé seulement deux personnes et trois personnes en Dieu, l'elle t'a gagné pour parler de bon Dieu, parce que l'autre monde sur la tête doit parler de bon Dieu, ça, mais c'est seulement trois personnes, ça, yo. Jacques et eux-mêmes, yo, quoi, là. Par exemple, si je suis campé, je parle de mon Dieu. Je me dis, il seulement existe trois personnes en Dieu. Mais moi-même, je dois payer bouche moi. Pourquoi ça me doit payer bouche moi? Parce que je ne suis pas une personne en Dieu. Si je ne suis pas une personne en Dieu, comment me faire parler des bagailles qui sautent dans mon Dieu? C'est le monde qui saute dans mon Dieu qui parle des bagailles de Dieu. C'est pas vrai? Mais si je ne pas saute dans mon Dieu, comment me faire parler des bagailles qui sautent dans mon Dieu, des choses de Dieu, de la révélation de Dieu? Mais en un mot, il n'y a pas existé trois personnes en Dieu. Mais en Dieu, Jean Apocalypse dit là, il existait deux milliers et des milliers. Deux myriades et des myriades. En un mot, on dit, tout le monde qui pourra le sauver, ce sont des personnes en Dieu. Il m'a expliqué, bien peut-être, non, mon Dieu, et frère Jean Renal, capable, yon grand ziel, capable yon oreille. Pour qui ça, l'église là, formé mon Dieu, il forme Jésus-Christ même. Pour qui ça c'est nous-mêmes qui sommes des personnes en Dieu? Parce que c'est nous-mêmes qui formons Christ la même. Cela veut dire, si totalité monde qui doit sauver pour saluer, ta guéion qui manquait, nous sommes capables de dire, dans la gloire de Dieu, la incomplète. Ça fait la incomplète parce que a guéion qui manquait. Et selon Ephésiens chapitre 1er, le verset 23, on a l'île non. Ephésiens chapitre 1er, le verset 23. Nous lisons verset 22, 23. Frère James. Bon Dieu, mettez tout bagaille en bas pied Christ là. Li mettez pour le seul chef l'église là. L'église là, c'est quoi Christ là? Lui compléter Christ là. Avec pouvoir lui compléter toute bagaille qui tout partout. Il dit l'église là, c'est quoi Christ là? Qui ça l'église a fait? L'église a complété Christ là. Cela veut dire nous-mêmes. Là, nous venons dans Jésus-Christ, nous venons compléter Christ là. Nous venons former un membre dans le corps Christ là. C'est ça la Bible dit. Mais si nous sommes membres dans le corps Christ là, au renouvellement de toutes choses, le Dieu lui-même lui va rentrer dans l'éternité, lui va rentrer pour être capable de quitter une partie dans le corps de Dieu, une membre dans le corps de Dieu. Vu que nous formons Christ là, eh bien, c'est nous-mêmes même, les nous va réunir ensemble, eh bien, Christ là lui-même lui va complet. En un mot, chaque élu, chaque chrétien, yo c'est une personne en Dieu. Langage cap dit que il y a trois seulement personnes en Dieu, il pas existé selon la Bible, il pas écrit, il pas littéral tout. En Dieu, il existait des milliers, des myriades de personnes. Tous les élus, tous les sauvés, tous les rachetés, tous les prédestinés, ce sont des personnes en Dieu. Tout le monde qui est pour entrer dans la gloire, tout le monde ça yo, ce sont des personnes en Dieu. Si je suis dans mon Dieu, je dis à mon Dieu de camper pour te parler de mon Dieu. Si je suis dans mon Dieu, je dis à mon Dieu de camper pour te capable de joindre la révélation de Dieu, jour où même tout où on est que Jésus-Christ est notre Père éternel. Amen. Amen. Mais je dis, Jésus-Christ dit, moi je veux qu'on t'aime mieux. Mon Dieu, à savoir l'église. Moyen ciel ça que nous la donne là qui permet de nous joindre révélation ça yo.
c'est pas moyen ciel ça que nous la donne là n'a moyen bagaille ça veut dire révélation parole qu'on joigne là ce sont les choses du ciel que on moyen là où joigne révélation mon Dieu on moyen bagaille qui existait dans le ciel des choses éternelles des choses invisibles c'est au même que on moyen vu que son monde que Dieu lui-même lui fait grâce lui ouvre les yeux lui ouvre l'esprit ou pour capable comprendre parole lui eh bien, ou capable de la gloire de Dieu lui-même lui ouvert devant clair. Romains chapitre 11 explique nous clair que les témoins d'autrefois, ils ont touché la gloire qui était réservée pour eux. Ils ont touché le ciel, ils ont touché l'immortalité. Et pas parce que les Jésus étaient sur terre, ils ont touché le nom, mais ils ont salué la gloire de loin. Pas des signes, pas des prodiges, pas des révélations que vous avez recevoir de la part de Dieu, et bien, vous avez campé, vous avez salué le royaume de Dieu très loin. Mais il y a un moment qui va arriver, même j'ai la parole dit, lorsque nous le verrons face à face, ça que nous y a, il va manifester. Même j'ai dit, tel il est, tel nous serons. Nous le verrons face à face. J'en y a, c'est comme ça nous vient pour Noël. Et là, Jésus-Christ lui-même, lui va apparaître dans toute gloire, lui, pour le capable de venir chercher l'église là. Eh bien, ça, l'église là, lui-même, lui, y est tout bon voyage. Eh bien, c'est ça, lui-même, lui pourra le manifester. Alors, lui pourra le paraître d'une manière totale. Alors, vu que Jésus-Christ fait une déclaration, là, même Jean, chapitre 17, là. Dans même Jean, chapitre 17, là. Le verset 20. Il dit. Le verset 20, 21 pour nous serviter. C'est pas pour yo seulement ma la prière, mais pour tout le monde qui va mettre confiance yo dans moi, les attendez message là. Ma pla prière pour yon tout fè yon sel. Papa, c'est pour yon tout fè yon ensemble ak nous. Même Jean ou même ou nan mwen. Mwen même mwen nan ou. C'est pour yon tout fè yon sel pour moun ki nan le moun yon kakwe. C'est ou ki te voye mwen. Amen. Li di clair que. Ce n'est pas pour les disciples qui sont devant l'enseignement de la prière. Mais de la prière aussi pour tout le monde qui va répondre à l'appel de grâce. À savoir, nous-mêmes, qui avons temps pour nous croire dans ça. Parce que, selon Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 48, nous sommes destinés pour nous croire. Selon Éphésiens, chapitre 1, le verset 4-5, nous sommes destinés pour nous croire. Pour nous sans reproche. Pour nous saints dans Jésus-Christ. Eh bien, il dit, afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Il dit, papa, même si moi-même, ensemble avec vous, nous faisons celle-là, je voulais pour le monde que vous va ben moi, à savoir chrétien, vous va faire yon celle ensemble avec nous. Eh bien, même j'aimerais avoir fait yon nan, comme ça nous, yon même tout, yon va faire yon ensemble avec nous. Eh bien, là nous va arriver qu'on y a là, nous va faire yon avec Jésus-Christ, nous te expliquer au clair qui ça que l'église a lui-même nous li va définir. Actuellement là, gloire à bon Dieu li d'une manière limitée dans nous-mêmes. Ça fait limiter parce que nous existons dans yon corps. Qui ça qui permet que gloire à bon Dieu pas qu'apparaître total dans nous-mêmes? Le péché. Amen. Parce que vous n'avez encore mortel. Vu que vous n'avez encore mortel, ça a empêché gloire à manifester totale. Bien peut-être, vous avez pris un bien propre pour aller faire les affaires de Dieu. Seulement, puis vous frappez ou vous commettez une erreur. Et bien, erreur, ça qu'on commet là, c'est parce que vous vivez dans un corps. Et bien, ça a empêché gloire à mon Dieu lui-même de briller totale. Et bien, c'est le langage ça que le Seigneur Jésus-Christ lui-même lui utilisé dans Jean chapitre 17, le verset 21, il dit, papa, même Jean, moi-même, ensemble avec vous, nous faisons, et bien, moun sa yo, qui vient pour croire, moi, je tout, pour être capable de faire yon ensemble avec nous. Là, nous dit, Jésus-Christ fait yon avec papa,
C'est pas parce qu'elle existait, yon papa, yon petit papa. Mais c'est un langage spirituel. Le langage spirituel a dit, moi et mon père, nous sommes un. Cela veut dire, les mêmes avec papa, pas gen aucun différence. Pas gen aucun différence entre les mêmes avec papa. Et désormais, nous ne pas reconnaître Jésus-Christ maintenant comme fils, nous seulement reconnaître maintenant le père. À savoir Jésus-Christ même, qui glorifie et qui rentre dans l'étape à jamais qui est le Saint-Esprit. Eh bien, les dit même j'ai moi-même avec papa nous faisons, eh bien, moun sa yo qui va arriver croire, yo va faire yon sel ensemble avec nous tous. Eh bien, gloire bon Dieu, elle n'est pas manifestée totale parce que nous n'avons encore mortel. Jean Kounia 1 Corinthiens chapitre 15, lui-même lui explique là. Il dit, nous devons pour nous recevoir un corps incorruptible, un corps immortel. Il pour nous inviter. Verset 53, 54 et verset 55. 1 Corinthiens 15, verset 53, 54 et 55. Que moun ki gen kòr ki fèt pou pouria yo gen pou yo resevwa yon lòt kòr ki pa chanm ki pa ka pouri moun ki gen kòr kap mouria yo gen pou yo resevwa yon lòt kòr ki pa chanm mouri lè moun ki gen kòr ki fèt pou pouria va resevwa kòr ki pa ka pouri ankòr a. Les moun ki gen corps kap mouri a va resevwa corps ki pa ka mouri a les sa parole ki ekri nan livre la va rive vrai pa gen la mort encore mais gen bataille la net la mort côté bataille ou gen la mort côté pouvoir ou te gen pou faire nous la peine. Amen. Ça veut dire, laisse ça lui-même, il va accomplir d'une manière totale. Cela veut dire, elle va rentrer dans la totalité de la présence de Dieu. Eh bien, prophétie ça, l'a accompli. Tenez bien. Il dit, au son de la trompette, quand on utilise ça, nous vient pour nous changer. Il dit nous gain pour nous transformer en un instant. En un clin d'œil. Pour nous capable rentrer dans l'étape à jamais. Il dit il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Corps corruptible ça pour le jeter tout genre de corruption qui dans lui. Tout genre de saleté, faut le changer corps pour capable recevoir un corps incorruptible, un corps immortel. Et bien là l'église là va recevoir un corps incorruptible, un corps immortel, et bien la gloire de Dieu lui-même lui va paraître totale dans nous-mêmes. Et même Jean première fois nous te dit vu que Dieu omniscient, et bien l'omniscience de Dieu a nan nou. Vu que Dieu est omnipotence, l'omnipotence de Dieu a nan nou. Vu que Dieu est omniprésent, l'omniprésence de Dieu a nan nou. Et en un mot, l'église là va devenir omniscient, l'église là va devenir omnipotent, l'église là va devenir omniprésent. Amen. Ça veut dire ça va pas manifester parce que nous n'avons corps. Mais d'une manière spirituelle il là. C'est parce que nous recevons le flair, nous recevons l'esprit qui permet de parler des choses éternelles de Dieu. Mais là, nous va quitter comme ça. La science de Dieu, l'omniscience de Dieu a pris entrée totale dans nous, nous avons devenu omniscient. L'omnipotence de Dieu a pris entrée totale dans nous, nous avons devenu omnipotent. Ça veut dire nous avons contre tout bagaille. L'omniprésence de Dieu a pris entrée dans nous, ça veut dire l'église là a vint omniprésent. N'a présent en tout lieu.
Et bien, même Jean l'église là, Dieu est le Dieu créateur, l'église a vint devenir le Dieu créateur. L'église a vint devenir Elohim, El Shaddai, Jéhovah. L'église a pas devenu un petit Dieu, Jean, que les gens se disent d'ailleurs, a-t-il, mais l'église a vint devenir le Dieu tout-puissant, à savoir Elohim. Amen. C'est ça que l'église a clair, elle a vint devenir. L'église a vint devenir Elohim. Au commencement, le Dieu t'a créé le ciel et la terre. D'une manière spirituelle, l'église était là. L'église était dans la pensée de Dieu. Et bien, très bientôt, Dieu vient pour le capable de détruire la terre. Pour le capable de réduire le monde en cendres et en poussière par le feu éternel. Et bien, elle dit comme ça, vu que l'église était présente, amen. Le bon Dieu t'a créé toute bagaille. Et bien, le bon Dieu va détruire toute bagaille tout. L'église à lui-même, il va présent. Alors, le langage ça que Christ utilisait, l'a dit, moi et mon Père, nous sommes un, afin que eux aussi soient un en nous. Ça veut dire, nous pourrons devenir même Jean-Papa et même Jean-Petit là. Et nous expliquons clair d'une manière spirituelle, entre Papa et Petit là, pas de différence. Eh bien, entre nous-mêmes, entre Papa et Petit là, pas de aucun différence. Et entre, l'on a parlé de Papa et Petit là, l'Église la comprend qu'il y a des langages que nous-mêmes nous. Utiliser. Ça, c'est un langage que Christ lui-même lui utilise. Mais maintenant, Jean que la Bible lui-même lui parle là, nous ne reconnaître personne dans la chair. Savoir Jésus-Christ nous te reconnaître dans la chair. Qu'on ne nous pas reconnaître dans la chair, nous reconnaître maintenant comme esprit. Eh bien, l'elle dit, moi et mon Père, nous sommes un. Eh bien, nous-mêmes, ensemble avec Jésus-Christ, nous gagnons pour nous capables de devenir un seul. Et ce n'est pas Jean que le monde lui-même comprend ni. Ou qu'on voit deux mouns, ou qu'on dit comme ça, yon ini dans l'esprit, mais le regarder d'une manière visible, c'est deux personnes différentes. Mais d'une manière spirituelle, là nous dit deux mouns, yon fait yon, ça veut dire, ça ouais, moun sa ka di a, c'est moun sa, c'est ça l'autre moun nan li même li ka dit. Ça veut dire, nous va gagner une seule connaissance. Nous va sembler. Et Dieu, yon te quoi dire, li va gagner une seule demeure. Et demeure, li va yon demeure éternelle. Et pas que personne n'est capable d'identifier Dieu dans l'éternité. Ça fait qu'on n'est pas capable d'identifier parce que je nous dis que l'alpagain, il n'y a pas 3 personnes en Dieu, mais il y a 2 milliards ou bien 2 milliards d'élus en Dieu. Même Jean Apocalypse, il y a 2 milliers, 2 milliards, 2 milliers en Jésus-Christ. Et bien c'est comme ça le poids lié tout. Ça veut dire dans le ciel, on n'est pas capable d'identifier pour dire ça, c'est mon Dieu. Et bien, on est capable de faire des frères, et bien, vite que les frères français ont un corps incorruptible, et bien, on est capable de faire des frères français, c'est Jésus-Christ même qui est au Kembe. On est capable de faire des frères et bien, on est capable de faire Jésus-Christ même qui est au Kembe. On est capable de faire Paul, etc. Tous les élus des cieux, on est capable de faire Jésus-Christ même qui est au Kembe, parce que la gloire de Dieu lui-même, il peut le paraître total, en un mot, sans bonne et sans faire exception de personne, et bien, c'est comme ça lui-même, il va y aller dans l'éternité. Alors, l'apôtre Paul lui-même lui te dit, lui ravi jusqu'au troisième ciel, cela veut dire lui ravi jusqu'à la troisième personnage qui t'est arrivé toucher, le saisir. Amen. Et bien c'est comme ça, et Dieu t'est ouvert les yeux, monsieur, mais il t'a montré en pile bagaille. Et bien c'est comme ça, et ciel là, qui s'allie même, lui c'est état d'être des élus. C'est façon à respirer. Le ciel c'est la révélation de Dieu. Lui c'est un ciel figuratif, amen, qui gagne tout fini. C'est une promesse qui vient pour accomplir très bientôt. Mais en un mot, nous t'ai expliqué dans le premier enseignement que nous t'ai fait. L'un t'a parlé de ciel là, nous pas parlé de l'autre. Ciel là, pas dit l'autre, n'a parlé de Dieu même. Nous t'ai dit là, n'a parlé de ciel, n'a parlé de la divinité même. Premièrement, parole qui clé dans l'enseignement, vous connaissez premièrement, il a parlé de ciel, il n'a pas parlé de une localité, il n'a pas parlé de un endroit. Il n'a pas parlé de une demeure qui situé dans une hauteur. Amen. Mais il y a parlé de ciel, il y a parlé de Jésus-Christ même, il y a parlé de Dieu même. À chaque fois qu'on entend le ciel, il y a parlé de la divinité qui c'est Dieu même. Amen. Alors, demain ça nous pas espérer pour aller vivre là-dedans pour 7 ans. Demain ça nous pas espérer pour aller passer un noce là-dedans seulement. Mais nous espérer pour nous capable rester et vivre là-dedans pour toute l'éternité. Amen. Cela veut dire, Jean 14 dit là, place ça que Jésus-Christ lui-même l'a préparé à, place ça te préparé à t'avoir corps Jésus-Christ qui t'est brisé et sang qui t'est coulé à la croix. Et quand ça l'a été monté la croix, elle te dit tout est accompli, eh bien la place était déjà préparée par le moyen du corps de Jésus, eh bien qui t'est rompu sur le bois de la croix. Eh bien maintenant,
C'est pour ça que nous avons accès actuellement pour nous parler de mystère ça qui était caché. De mystère ça. Vamos aller dans Colossiens. On allait dans Colossiens chapitre 1er. Verset 26 et le verset 27. L'île pour nous faire bien. Colossiens chapitre 1er, verset 26-27. Pour me faire tout le monde connaît secret l'idée Kembe caché depuis tout temps qui fait personne pas de connaître. Mais qu'on y a l'idée ou aller le bail tout le monde qui pour lui. Parce que bon Dieu veut faire moun palio connaît toute richesse à tout bel pouvoir qui n'a secrétité serré pour moun qui pas juif yo. Mais secret nous même moun qui pas juif yo, Christ là a vive dans cœur nous tout. Li ban nous espoir, nous gain pour participer dans bel pouvoir bon Dieu. Amen. Ça veut dire Éphésiens chapitre Colossiens chapitre 1 le verset 26 27 explique nous clair de un secret qui était caché. Il dit mais secret qui est-ce qui secret c'est Christ là. Alors même Colossiens chapitre on allait dans chapitre 2 n'a plus verset 2 servite. Verset 2 bon petit Jean plus clair. Oui. Verset 2 verset 3. M'a goumé pour yo ka gen force à courage plein cœur yo pour yo faire yon nan remen bon Dieu a pour yo gen yon bon comprendre ka ba yo en pile confiance devant bon Dieu kon sa yo même tout ya konnen secret travail bon Dieu a qui vle di Christ la c'est nan li toute richesse qui nan bon comprendre à connaissance bon Dieu a caché. Amen. Et dit comme ça tout, n'arrive qu'on ait bon secret. Mystère qui t'est caché. Colossiens chapitre 2 ben nous le clair. Il dit mystère par l'autre que Jésus-Christ. Que bagaille que l'église la révélation que l'église là après recevoir jeudi a ancien ou pas recevoir, le grand Moïse pas recevoir, le grand David pas recevoir. Songe Moïse te paraît les Dieu t'a voué en Égypte et il campait devant Dieu il dit bon l'aime pas paraître devant Pharaon devant peuple là il t'a dit qui est-ce qui voué qui je pour me dire reler comment reler même mais qui s'est passé Dieu pas de bal non parce que t'es un temps fixé eh bien c'est notre temps ça nous est là et pour ça la Bible dit le temps est à l'appui il n'est pas possible de rester dehors racheter le temps car les jours sont mauvais parce que nous sommes au temps de la révélation. Il dit le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Mystère qui est-ce qu'il n'est pas d'autre que Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la parole de mystère, ça veut dire c'est révélation ça qui était caché. Dès avant tous les temps, dès avant tous les siècles. Bon Dieu, ta travail pour être capable de établir ce temps, qui est le temps de la grâce, qui est un temps éternel. Mais que mon Dieu même pense limité, mais il pas limité. Il est un temps éternel qui peut continuer dans l'éternité. Qui c'est la grâce, la faveur éternelle de Dieu. Le mystère caché de tout temps, il n'est pas l'autre que Jésus-Christ. Et bien, c'est dans le mystère caché ça, nous comptons qui ça ciel là. Amen. C'est dans le mystère caché ça, il révèle nous. Que nous-mêmes ensemble avec lui nous faisons et d'une manière spirituelle nous va rentrer dans la présence éternelle de Dieu même Jean nous a dit et bien tout ça qu'il connaît pour aller rentrer dans nous-mêmes et bien même Jean lié à c'est comme ça nous-mêmes nous va y être tout il avait dit entre nous-mêmes avec Jésus-Christ pas aucune différence et Jean t'a dit ou qu'il y a un tel ou après c'est Christ
wap kembe un tel wap wèl se Christ, wap kembe un tel wap wèl se Christ, chaque élu wap kembe wap wè yo se ou même même ki Christ là, parce que ou pa capable identifier Christ, ou pa capable identifier bon Dieu. On le monde qui parle di bon Dieu en trois personnes, c'est que ou ka identifier. Comprenez? Mais en réalité, Dieu n'est pas capable d'identifier parce que Dieu est un Dieu infini. Alors le ciel, c'est une révélation qui est liée. Elle n'a pas parlé du ciel, elle n'a pas parlé de la pensée infinie de Dieu. Par exemple, dans Luc chapitre 10, le verset 20, la Bible parle nous que Jésus-Christ écrit dans tout Elio dans le ciel. Amen. Il écrit dans tout Elio dans le livre de vie. Et ça, nous ne pouvons pas comprendre d'une manière littérale pour nous rester quoi que c'est un livre que bon Dieu lui-même lira et puis il écrit dans tout le monde. Parce que Dieu, en tant que Dieu, il a une pensée infinie, il a une mémoire infinie. Et puis qu'il a une mémoire infinie, il n'a pas besoin d'aucun livre pour écrire rien pour être capable de rappeler des choses qui étaient passées 1000 ans, 100 ans, 2000 ans avant. Parce que c'est Dieu, il a une mémoire infaillible. Bon Dieu béni, bon Dieu fait grâce. Est-ce que nous comprenons l'enseignement? Alors, en un mot, les parler de ciel, il ne pas parler de localité. Il ne pas parler de endroit. Mais le ciel, c'est Jésus-Christ même qui est le ciel. Cela veut dire, à chaque fois, nous dit, nous pouvons vivre dans le ciel. Cela veut dire, nous pouvons vivre en dans mon Dieu. Nous pouvons vivre dans mon Dieu pour toute l'éternité. Mais si nous pouvons vivre dans mon Dieu, là, on va chercher, on ne va pas pour personne. En un mot, tout, même si on va chercher Dieu, on ne va pas pour Dieu, c'est nous-mêmes, après. Et mais là, on va chercher nous, tout, pas pour nous, mais on va pour nous en dans. Bon Dieu béni, bon Dieu fait grâce. Est-ce que nous comprenons? Eh bien, est-ce que pas un monde qui gagne, soyons suggestion, yon question, etc. À savoir de tout ça que nous dit, nous t'a bien remettant à la gloire de Dieu. Moi gagne un plus grand désir pour moi sembler à Jésus. Non, moi pas gagne un plus grand plaisir passer sembler à Jésus. Moi v'lais que moi servir ton lit. Pour que le monde cap cherche la vie, car ouais, lui-même n'a moins d'un puits, moins voulu sembler à Jésus.